Le Marzen continue à faire sombrer une bonne partie de sa population dans la misère et la vulnérabilité. Selon un récent rapport de l'ONG Oxfam sur le travail domestique des petites filles marocaines, le Maroc a été désigné l'un des pays les plus inégalitaires de la planète, affirmant qu'au Maroc, seuls 10% de la population possède plus de 63% de la richesse totale, tandis que 50% en possède moins de 5%. Cette dure réalité de la société marocaine, livrée à elle-même et surexploitée par le régime du Marzen et ses relais internes et externes, est encore plus grave puisque les premières victimes de la pauvreté et de la vulnérabilité sont bien les enfants. Durant l'année 2020-2021, le taux national d'abandon scolaire au Maroc était de 5,3% dans le secteur public, ce qui représente plus de 331 000 écoliers, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente, avec des disparités entre le milieu urbain et rural. Concernant le sujet principal du rapport, qui est l'exploitation des petites filles dans le travail domestique, l'ONG a noté qu'au Maroc, des milliers d'enfants, principalement des filles, et certaines dès l'âge de 8 ans, travaillent chez des particuliers en tant que domestiques. Elles proviennent généralement des zones rurales, pauvres, et sont envoyées par leurs tuteurs dans les villes, espérant leur offrir une vie meilleure, tout en les aidant financièrement. Au lieu de cela, elles sont souvent confrontées à la violence physique et verbale, à l'isolement et à un travail 7 jours sur 7 qui commence à l'aube et se poursuit jusque tard dans la nuit. Ce même document affirme que ces filles travailleuses domestiques, mal payées et presque aucune ne va à l'école, restent confrontées à des conditions de travail précaires, dangereuses ou proches de l'esclavage et sont exposées à la violence et au harcèlement avec des risques de graves conséquences sur leur santé physique, mentale et sur leur sécurité.